Truc de ma maman. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce petit livre que j'ai réalisé en feutrine, un livre d'habillage. Vous connaissez très certainement, pour celles qui connaissent la pédagogie Montessori, les cadres d'habillage que voici. J'ai beaucoup hésité à la façon de créer les outils pour l'apprentissage de l'habillage. J'ai acheté des cadres, mais au final, j'ai opté pour la version pour une version type quiet book. J'ai fait pas mal de quiet book déjà. Je maîtrise, on va dire, la feutrine et comment réaliser des livres en feutrine, et du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de réaliser un livre d'habillage au lieu de faire plusieurs cadres. Donc du coup ça réunit en un seul support, en un seul outil, l'ensemble des cadres d'habillage, ou en tout cas ceux que j'ai sélectionnés moi pour réaliser le mien. Voilà, donc ça m'évite d'avoir plusieurs cadres ou plusieurs supports. Ils sont tous réunis dans le même livre. Donc je vous le présente. Alors, ben vous avez donc vu à peu près comment se présente le Quiet Book. En règle générale, c'est beaucoup de récup. Là, c'était des boutons que j'avais achetés, mais pour le tissu, c'est un vêtement que je n'utilisais plus, que j'ai utilisé. J'ai fait les trous moi-même. Voilà. Ensuite, ça, je l'ai récupéré d'un gilet à moi. Du coup, je l'ai réutilisé. La fermeture, je l'ai achetée chez Cultura. J'avais de la feutrine également, donc il y a pas mal de récup. Là, c'est les boutons du vêtement que j'ai récupéré, donc j'ai même pas eu besoin de recoudre. Donc vous pouvez utiliser vraiment des vêtements de chez vous. Pour cela, je les ai achetés en kit chez Action, il me semble. Et là, on a de la feutrine pour faire un petit cartable. Mais vous pouvez encore une fois utiliser des choses que vous avez à la maison. Ensuite, ici, c'est tout bête, mais j'ai pris un body de bébé usagé que j'ai découpé. Donc j'utilise les boutons pression du body. Et enfin, ici c'est pareil, c'est de la feutrine et des rubans que j'avais à la maison. Voilà. Ce livre d'habillage que j'ai réalisé a vraiment été réalisé avec des objets de récup. Donc ça coûte rien. Ça vous coûtera juste le coût de la feutrine et de quelques accessoires si vous n'en avez pas. Voilà, donc c'est vraiment très facile à réaliser. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, d'aimer la vidéo et de la partager pour que d'autres parents puissent en bénéficier. À bientôt !